La notion de cité en islam couvre à la fois l'architecture, la ville, mais aussi tout l'environnement et jusqu'au mode de vie. Le Coran lui-même compare l'islam tout entier à un édifice bien construit. Et en histoire, l'islam se présente, surtout à nous, comme un archipel de villes lancé à travers un grand espace. Dans un premier film, on aura vu La Mecque, Médine, Kairouan, villes anciennes. Voici maintenant Sanaa, Fès, Marrakech, Le Caire, Istanbul, Lahore et quelques autres. La cité islamique, image idéalisée de la communauté musulmane, cristallisation du désir et de la nécessité de vivre ensemble autour d'une foi et d'une loi. Un tout solidement lié maison à maison, rue contre ruelle, comme un bâtiment unique où la communauté se sentirait chez elle, ainsi se présente la cité islamique. La ville exprime ainsi de la façon la plus concrète une vérité centrale de l'islam, l'unité. Le Coran compare la communauté à une maison unique, bien étayée, carrée sur ses bases. Cette unité que concrétise l'urbanisme traditionnel témoigne surtout de la cohésion d'une société. Ainsi, de Kairouan au Caire, d'Istanbul à Lahore, toutes les villes de l'islam présentent ces analogies de forme et de structure qu'ont engendré au cours des siècles cette foi et cette loi qui se veulent universelles. Ainsi, la cité, c'est d'abord le lieu où les hommes vivent, se retrouvent. Lieu de passage pour les nomades, les caravanes vendent et achètent. C'est le lieu du commerce, de la parole, du contact. Enfermée dans ses murs protecteurs, la communauté s'ouvre sur elle-même, sur une vie unitaire où les relations humaines, intenses, animées, laissent au désert l'apanage du vide et du silence. Il y avait bien, avant l'apparition de l'islam, une ethnie arabe. Mais celle-ci était partagée entre de nombreuses tribus, en majorité nomades, les autres sédentaires et commerçantes, ayant en commun une langue. Tribus guerrières, toujours en quête de nouveaux territoires, de nouveaux profits. C'est Mahomet qui, le premier, affirma l'unité de la société. La communauté des croyants doit transcender des dissensions ethniques. L'ancien caractère arabe, farouchement exclusif au nom du droit du sang et de l'honneur tribal, devint par l'islam capable d'intégrer et de s'adapter en faisant sien l'idéal d'un consensus social autour de la religion. On a souvent dit que le Yémen était une terre de paysans guerriers et bâtisseurs. Il faut peut-être y ajouter encore un aspect. Lorsqu'on regarde cette terre, ces champs, on a l'impression que ce sont les terres cultivables elles-mêmes qui sont sculptées. Chaque lopin, chaque morceau se trouve cerné, travaillé, superposé aux autres, de telle sorte que l'on a parfois l'impression, en traversant l'intérieur du Yémen, de traverser quelques rizières asiatiques en étage. La ville surgit à Pic du Rocher et c'est Djibla au Yémen. Ville exemplaire parce qu'on ne sait pas où s'arrête le rocher et où commencent les fondations, où commence la cité.
l'histoire, l'archéologie, la légende se rejoignent au Yémen. C'est ainsi que le mythe de la reine de Saba, devenu historique, est encore présent dans les mémoires. Et Jibla elle-même a été fondée par une autre femme. Le long passé anti-islamique du Yémen est peu à peu déterré par les archéologues. Et c'est le gendre même de Mohammed, Ali, qui a unifié le Yémen et l'a fait entrer en bloc dans l'islam. Et de ce jour, le Yémen a été l'un des peuples de cet espace musulman, de telle sorte que l'un des quartiers de Cordoue, de la Cordoue ancienne, s'appelait le quartier des Yéménites. Et aujourd'hui encore, l'une des caractéristiques de ce peuple pourtant si stable est décémée partout, et l'on voit à travers tout l'espace d'islam et en dehors aussi des colonies yéménites. Comme les plus anciennes villes de l'espace de l'islam et qui ont conservé leur style proprement musulman, Sana'a est refermée comme une coquille sur elle-même, comme un tout organique d'un seul tenant, sans perspective. Protégée contre l'extérieur, auquel elle n'offre que des murs aveugles, elle s'ouvre progressivement, au travers de cercles concentriques bien resserrés, vers le fort intérieur de la société. La ville de Sana'a est un rêve, aussi bien pour l'architecte moderne que pour l'archéologue. Pour l'architecte moderne, elle est à la fois originale, harmonieuse, fonctionnelle et enfin parfaitement adaptée à son environnement. Originale tout d'abord, la chose saute aux yeux. Dès l'arrivée à Sana'a, on est frappé par ces gratte-ciels, ce Manhattan sorti des sables. La ville est harmonieuse. Une couleur y domine, c'est l'ocre. Depuis la couleur des briques, la couleur de la terre, jusqu'à la couleur de pierre rose gorgée de soleil. Mais il y a plus que l'unité de couleur. Il existe également un aspect fonctionnel qui peut être l'aspect le plus moderne de Sana'a. Car la ville entière, qu'il s'agisse de palais ou de simples maisons d'habitation, est construite selon les mêmes techniques et selon les mêmes proportions. Il existe un module, comme un modulor avant son temps, qui s'impose à la cité tout entière. Mais cette structure, ce modèle, n'est pas mort, n'est pas inerte, car l'architecte, en construisant, fait sentir la main humaine. De même que la bonne tisseuse laisse toujours quelques irrégularités dans le tapis. Et c'est ainsi que la ville, tout un temps fonctionnelle, reste vivante. Thank you.
Si la ville concrétise l'harmonie nécessaire des relations humaines, c'est aussi par rapport à Dieu, auquel elle dit quotidiennement, comme d'une seule voix, sa foi unanime à l'appel du muezzin. Le minaret, au centre de la ville, symbolise cette élévation de la cité vers Allah. L'ordonnance fonctionnelle et esthétique des maisons, qui répond aux critères d'une architecture traditionnelle, permet le rassemblement du plus grand nombre possible. Il y a donc un équilibre qui s'instaure entre une tension vers l'élargissement de la communauté et l'autre tension, naturelle, vers le resserrement du groupe sur lui-même. Le marché, le souk, reflète la vie de la cité. Cette impression de foule, de densité humaine, de mouvement est significative de la présence de l'individu au groupe avec lequel il s'accorde nécessairement au nom du bien commun. Le marchandage, quasi rituel, exprime cette volonté de jouer sur le contact humain pour que s'établisse l'entente au bout d'une discussion très animée mais presque convenue. La condition de la femme musulmane était à l'origine et en droit égale à celle de l'homme. Mariée ou non, elle n'est pas juridiquement soumise à l'homme. À l'époque pré-islamique, le nombre des épouses n'était pas limité. Le Coran les a limitées à 4 dans la mesure où le mari peut les entretenir. Mais de nos jours, la monogamie, déjà obligatoire en Tunisie, tend à s'implanter et la séparation si rigoureuse entre monde masculin et monde féminin tend à s'atténuer. Ici, comme partout, la société industrielle a requis le travail des femmes. Si l'usage du port du voile est toujours en vigueur, la société a néanmoins évolué au rythme des bouleversements du XXe siècle. Tradition islamique et modernisation économique se veulent ici fondamentalement compatibles. Kairouan est une citadelle de la foi. La ville elle-même est un avant-poste, c'est un lieu frontière. La tour est une tour de guet, en même temps qu'un minaret. Elle a un côté guerrier, presque violent, et reste comparable à ces monastères militaires que l'on voit sur les côtes. Au moment où les armées musulmanes sont sorties d'Arabie, elles ont atteint Kairouan dans la première génération de l'islam. La ville est une oasis, dans un semi-désert, et apparaît comme une citadelle. Allez,
Dans la mosquée, le silence devient espace. L'espace devient rythme et le rythme, architecture. Les colonnes de remploi trouvent une fonction tout à fait nouvelle. Elles viennent ponctuer l'espace, un peu comme la prière vient rythmer la journée du musulman. ...1492, date clé de l'ouverture des temps modernes. L'Amérique découverte, certes, mais aussi la prise de Constantinople par les Turcs. Si l'Europe amorçait la conquête de son empire colonial, l'islam, qui la même année perdait sa dernière citadelle espagnole, Grenade, s'ouvrait par Constantinople sur tout l'Orient. Ici devait s'achever la chevauchée des Turcs depuis l'Asie centrale. Ces mêmes Turcs, qui fondèrent l'Empire ottoman et à travers lui élargirent l'espace de l'islam, allait faire de Constantinople une capitale pour 5 siècles. Aujourd'hui, la ville est dominée par ses coupoles et ses minarets, installés sur les sommets qui bordent le Bosphore. Vieille cité donc, mais qui ne refuse pas le présent. La foule, le va-et-vient des gens, la bousculade d'une ville congestionnée font éclater les bornes anciennes. Percées de ponts, d'avenues, le bouleversement du monde moderne éventre les vieilles maisons de bois. La ville-musée et la ville éclatée se mêlent. Istanbul soutient son paradoxe entre l'histoire et l'actualité. Istanbul appartient à la fois à l'histoire de l'islam et à celle de l'Europe. Aujourd'hui, elle donne l'image même de cette dualité. Loin du classicisme traditionnel de Sanaa et de Fès, ou même de Lahore, loin aussi du bouillonnement humain d'Istanbul, où l'Orient et l'Occident se mêlent, la ville moderne d'Islamabad a été conçue selon des principes d'urbanisme résolument contemporains. Ses longues avenues bordées d'arbres offrent des perspectives nettes qui témoignent de l'influence européenne. Et pourtant, cette influence a été reçue et intégrée par l'islam qui donne son nom à cette ville et qu'il a pénétré de sa propre originalité. Les banderoles proclament Dieu et l'unité du monde de l'islam en 3 langues, l'arabe, l'ourdou et l'anglais, à l'occasion de la conférence islamique qui réunit les 46 pays musulmans. Partout présente en terre d'islam, la mosquée est significative de la faculté d'adaptation des premiers conquérants arabes. Les exemples d'Istanbul, de Damas et d'Ispahan montrent bien les différences de culture, de mentalité, de sensibilité entre arabes, ottomans et persans. Mais l'islam a intégré ces différences dans cette même idée de Dieu et des hommes qu'exprime par sa structure architecturale la mosquée.
La mosquée Ibn Touloun au Caire représente l'un des exemples d'architecture les plus anciens, les plus purs et les plus complexes aussi du monde de l'islam. Ancien puisqu'il date des premières années de la conquête musulmane. Pur car il s'agit de l'un des exemples les meilleurs, un modèle de l'architecture musulmane classique des premiers temps. Il s'agit d'un simple espace à ciel ouvert. La mosquée est achevée par le ciel seulement, comme la prière est achevée lorsqu'elle est reçue. Ibn Touloun était d'origine turque, venu au Caire. Il transporte avec lui des artisans qui étaient probablement mésopotamiens, comme en témoigne la ziggourate chaldéenne qui sert de minaret et qui s'arrête net pour être surplombée d'éléments plus récents et plus classiques. Et finalement, nous assistons ici à la rencontre entre le monde de l'Asie centrale, le monde arabe et l'ancien monde égyptien dans un monument qui pourtant témoigne d'une unité parfaitement rigoureuse. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Contre une opinion encore trop répandue, le minaret n'est pas du tout un élément originaire de la mosquée dans l'islam. Au début, dans la maison du prophète, le muezzin montait tout simplement sur le toit de la maison et appelait les fidèles à la prière. C'est plus tard seulement que le minaret est devenu l'un des éléments les plus caractéristiques de la mosquée en terre d'islam. Mais par l'étymologie, minara contient le mot de nour, le feu. Il s'agissait d'une tour de guet et son nom évoque un signal visuel plutôt qu'un signal auditif. Troisième élément peut-être à relever, le minaret portait la voix humaine, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus émouvant pour le musulman, de plus chaud, de plus vibrant. Mais la voix humaine ne portait pas très loin. Elle définissait ainsi le quartier. Lorsque la portée de la voix était éteinte, à ce moment, il était temps de construire une autre mosquée et un autre quartier se former autour de la mosquée. Fatehpur Sikri est une ville morte, mais une ville morte qui aurait été conçue comme une capitale et qui est aujourd'hui comme une ville intérieure. Elle a été conçue par le grand Moghol qui attendait un fils qui lui avait été annoncé par le grand mystique Chishti. Il a entrepris cette ville de grès, de pierres roses et tout d'un coup, par on ne sait quel mystère, la construction de la ville s'est arrêtée. De telle sorte, cette ville, l'une des plus fastueuses dans le monde de l'islam, se trouve être en même temps une ville vide, une ville de néant. Qui sont donc ces grands Moghols qui ont régné sur le nord de l'Inde deux siècles environ de la fin du XVIe à la fin du XVIIIe siècle. Ce sont, exactement comme le nom l'indique, des Moghols ou des Mongols, des Turcs venus d'Asie centrale, venus des montagnes d'Afghanistan et qui sont imposés dans le nord de l'Inde, hommes rudes, hommes de caractère, frustes, hommes de gouvernement aussi, qui savaient parfaitement équilibrer leur empire.
mais en même temps, homme de rêve, mécène, homme de faste, ils ont su faire des monuments qui étaient à la fois des citadelles et des lieux de rêve de plaisir. L'un des grands chroniqueurs, Abul Fazl, dit justement d'Akbar qu'il savait traduire ses rêves en pierre. Et c'est peut-être là l'une des définitions que l'on pouvait garder des grands Moghols. Par son histoire, par sa personnalité, Marrakech se situe aux confins du désert et bien loin de l'Andalousie, de l'Espagne islamique. Son véritable espace, son espace culturel, s'étend bien au-delà de son espace physique. Porte de l'Afrique, elle pénètre spirituellement fort loin dans l'Afrique noire. Et les types humains ici le rappellent. Mais comment oublier que par les chevauchées des Almoravides, des Almohades, de ces hommes de rigueur, qui devinrent également des seigneurs en Espagne, Marrakech s'étend jusqu'à l'Andalousie. Il s'agit donc d'une première tension entre l'Afrique et l'Espagne. Mais il existe une deuxième tension également entre le citadin, le paysan et le nomade. Certes, cette combinaison peut être observée dans tout l'espace de l'islam, mais elle caractérise fort bien Marrakech elle-même. La plupart des conteurs qu'on y trouve, par exemple sur la place Jama El Fna, viennent d'ailleurs, souvent de fort loin. Et ils racontent une triple histoire. Le conte merveilleux, puis le conte édifiant, soutenu en troisième lieu par son expérience personnelle. Car le conteur de tradition orale apporte également l'expérience de son voyage et de sa vie, de telle sorte que l'exposé du conteur se trouve être à la fois l'histoire de sa vie et la morale de son existence. Une tradition toujours vivante, donc, dans les pays arabes, celle d'une littérature populaire, orale, colportée de ville en ville par des conteurs. Si la poésie persane a atteint un degré de perfection formelle très tôt par l'écriture, le langage du conte assume une fonction de transmission d'une culture millénaire qui s'enrichit d'âge en âge des apports personnels des conteurs innombrables et anonymes, qui assume dans l'espace et dans le temps la pérennité toujours renouvelée d'une littérature qui n'appartient pas à un auteur, mais à l'âme islamique. C'est par la tradition orale que s'est constitué le monument littéraire des Mille et une Nuits, dont la mise par écrit fut le travail d'adaptateur. Et ce texte, qui depuis longtemps a dépassé les frontières de l'islam et a transmis à l'Occident le sens littéraire du merveilleux oriental, témoigne de la diversité des pays où il puise son inspiration. Il unit dans le fil de ses aventures la peinture de mœurs égyptienne, l'antique mythologie mésopotamienne, les romans de chevalerie qui rappellent les luttes contre les croisés, le surnaturel des génies arabes, les djinns, sur un fond primitif indo-iranien antérieur à l'islam. On comprend la fortune de ce vaste roman qui est au monde arabe ce que sont à l'Occident l'Iliade et l'Odyssée.
Une troisième tension est celle qui unit le savant et le stratège, l'homme de pensée et l'homme d'État, le lettré et le soldat. La Koutoubia de Marrakech, à la fois tour de guet et bibliothèque, exprime cette unité fondamentale de l'homme islamique telle que l'esprit de conquête l'a forgée. Dans la cité traditionnelle, le lieu du savoir était intégré à la mosquée. Aujourd'hui, l'université moderne peut se transporter loin du centre de la ville, c'est elle qui intègre la mosquée. Ici, l'université d'Al Ain, dans les Émirats arabes unis, se veut à l'avant-garde des recherches et de la technologie. Elle maintient dans ses programmes les valeurs islamiques qui doivent rattacher l'ingénieur moderne à ses racines. بأن الحبل العصبي في الحيوانات الفقرية يكون مجوف. الحبل العصبي في الحيوانات الفقرية يكون اعتياديا مجوف وفي الجهة الظهرية. في حين بالنسبة إلى الحيوانات اللافقرية يكون صلب حبل صلب ويكون على الجهة البطنية. أنتم لاحظين بالحشرات وين يكون الحبل العصبي؟ في الجهة الظهرية أو في الجهة البطنية؟ في الجهة البطنية. سنترال فيو. لذلك تلاحظون هنا اللي هو technical structure of the vertebrates. نلاحظ هذا structure مبسط ولكنه واضح يعطي كل الميزات الرئيسية إلى الحيوانات الفقرية. لذلك نأكد عليه احنا في دروسنا العملية حتى تشوفوا بطريقة عملية كيف يتركب جسم هذا الحيوان. Fès est une ville classique. Elle est classique tout d'abord par son plan, bien ramassé sur lui-même, bien organique. C'est ainsi qu'on découvre Fès des collines voisines. Lorsqu'on se promène dans la ville, on y voit des ruelles qui aboutissent à des places et qui ont un aspect sans doute de ville et de bigarrure, mais on traverse des façades bloquées. Des murs qui ne regardent pas vers l'extérieur, mais qui sont intimes. Les portes nous séparent du va-et-vient de la ville, beaucoup plus qu'elles n'ouvrent sur le dehors. Souvent, en poussant une porte assez banale dans une ruelle aveugle, on découvre soudain un espace intime, ouvert au ciel par la cour centrale, dallées, fait de mosaïques, de faïence, et surtout, il y a l'eau. L'eau qui coule en rigole à travers la cour centrale, ou l'eau ramassée en jets, en fontaine, qui donne sa fraîcheur à l'habitation de famille. Espace
intime, intimiste donc, plutôt que drame qui donne sur la foi. Au cœur même de la société des vivants que représente la mosquée, la cité des morts. La mort n'est pas la négation tragique de la vie. Elle est devenue mémoire vivante que la cité intègre dans ses murs. Les turbans placés au sommet des tombes, comme à Iup, rappellent sans doute les fonctions du défunt, sont une trace de sa vie sur terre. Mais ce turban est avant tout un signe de la mort. Pourquoi ? Parce que, à l'origine, et dans les miniatures également, le grand turban, parfois démesuré, est le rappel du linceul. C'est le linceul que l'on place sur sa tête au moment de sortir, ou bien on le met comme une ceinture autour de soi. La mort apparaît donc en chef, sur la tête ou autour des reins. Elle est présente, elle est quotidienne à la vie. De même, lorsque le défunt est enterré, il est placé à même la terre. Rien ne doit le séparer de la terre et il a le visage tourné vers la Mecque comme tous les jours au moment de la prière. D'ailleurs, le geste de la prière qui se répète plusieurs fois par jour, se trouve être le geste même final de la mort. En effet, le doigt levé au moment de la prière symbolise l'unité, mais c'est également le doigt levé que l'on doit avoir au moment où on ne peut plus parler, on est en train de mourir, on lève le doigt, on atteste une dernière fois l'unité, comme dans la vie. Cette présence quotidienne de la mort, la mort creusée, tissée dans la vie, n'est pas triste. De même qu'il n'y a pas de rupture entre la raison et la foi, la mort, le cimetière, se trouve dans la ville. Et le bruit, le mouvement, y sont présents. Pas de rupture, la mort n'est pas un scandale, ce n'est pas un antagonisme, ce n'est pas non plus un maquillage, on n'essaie pas de la nier, elle est là, elle est présente à l'existence. Et cette phrase du poète espagnol Saint Jean de la Croix, si proche de l'islam, caractérise une attitude profondément musulmane. Lorsqu'il dit « Matando muerte en vida has trocado », en tuant, tu as changé la mort en vie. Les jardins de Shalimar à Lahore symbolisent la paix exprimée dans la racine même du mot islam et qui signifie aussi bien le calme devant la mort que l'équilibre dans la vie quotidienne. Le jardin, instant d'oubli, de sérénité,
instant d'absolu que l'islam a voulu recréer partout où il s'implantait. L'espace du jardin est la représentation de l'état intérieur ultime vers lequel la spiritualité veut acheminer l'homme. Harmonie ordonnée, plastique sans mouvement, où drames et passions atteignent au silence par le pur plaisir contemplatif où vie et mort sont comme confondus. Existe-t-il des aspects communs entre les différents jardins qui parsèment le monde de l'islam depuis l'Andalousie jusqu'à l'Asie centrale? Il me semble qu'il y en a plusieurs, et parmi ces éléments, j'indiquerai tout d'abord le plus important peut-être, qui est la notion de ruissellement. En un certain sens, les jardins, comme celui de Shalimar, sont l'extrême opposé des jardins de Versailles. Ici, pas de grandes eaux, pas de panache. Pas de perspective qui domine l'horizon. L'eau est conduite à travers des canalisations plates. Elle ruisselle et est là tout juste pour apporter la fraîcheur, la paix, la tranquillité, pour reproduire sur terre le paradis. En ce sens, elle correspond à la promesse contenue dans le Coran lui-même qui dit que l'eau du ciel transforme la sécheresse et l aridité de la terre en un ruissellement qui fait la joie de l'homme. L'autre élément peut-être qu'il convient de mettre en évidence, c'est le bruit, c'est le son. Il y a tout juste assez de bruit dans ces jardins, produits par les jets d'eau, pour rompre le silence. Les jets d'eau ne servent finalement qu'à cela. Ils ne sont pas faits pour être vus, mais de même que l'arabesque rompt la continuité de l'espace, en introduisant tout juste, pas plus, tout juste assez de lignes, pour rythmer l'espace, de la même manière, les jets d'eau introduisent tout juste assez de son, assez de bruit pour faire sentir le silence et la paix.